Hey, salut la gang. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu mon Day in Life Kong Boy de Medicine Box. Je vous avais promis qu'il y aurait des entrevues avec des gens qui consomment le CBD. Eh bien, tel que promis, on vous présente nos trois candidats. Il s'agit de Georgette, ma mère, 81 ans. On a Robert, 74 ans. Et on a Louis, 50 ans. Moi, c'est Mme Dubeau, puis je suis la mère de Jean-Claude Dubeau. C'est lui qui m'a emmenée justement à ça, au CBD. J'en suis reconnaissant aujourd'hui, malgré que je suis une personne très sceptique. Il faut que j'aille des preuves, il faut que j'aille tout. Mais là, il insistait tellement. Je suis contente qu'il ait fait ça, en fin de compte. Vous consommez comment? Moi, je prends une petite bouteille, c'est en liquide. Je le mets en dessous de ma langue. Comme on prend les pilules pour le cœur, tu sais, c'est toujours tout de suite, c'est là que ça va. Puis j'en prends un autre sorte aussi, qui est, là, c'est le premier que je prends, c'est CBD, mais il n'y a pas de THC dedans. Puis là, j'ai essayé l'autre que mon garçon m'a apporté, du CBD avec du THC, mais le THC est minime. Fait que donc, celui-là, je le prends, ça m'aide beaucoup le soir, à me calmer puis à dormir, OK? Fait que je prends les deux, OK? Fait que... Mais sur ça, je suis très satisfaite dans ce produit-là, par exemple. Ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a pris du temps avant d'accepter ça, parce que j'étais un petit peu sceptique à ça, de façon... pour moi, CBD, ça disait pas. Puis, tu sais, j'étais pas un amateur de ça. Donc, je me suis fiée, mon garçon, vu qu'il est connaissant dans ça. Bien, j'étais encore là, j'ai dit, oh, correct, peut-être. Mais j'en ai parlé à mon médecin. Voyez-là ou pas, je suis arrivée avec ma petite bouteille, puis j'ai dit, je voulais vous poser une question, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez, vous, du CBD. Elle m'a dit, je suis parfaitement d'accord avec ça. La différence que nous, qu'on ne sait pas, on leur dit aux gens, on est pour ça, même on leur dit d'en prendre, mais elle dit, on ne sait pas le dosage, vu que c'est pas notre étude qu'on a fait, mais on sait que ça a eu beaucoup de bienfaits sur beaucoup de gens. Je fais de l'ostéoarthrose. Fait que si vous regardez mes mains, j'ai les pieds comme ça, mais j'en fais à partir de la nuque jusqu'à ma... parce que j'en ai plein dans le dos jusqu'à la taille. Mais j'ai les deux genoux aussi qui sont... J'ai été opérée pour un genou, pour le tibia, le fémur puis la rotule. Fait que c'est tout enlevé, ça, c'est du métal. Moi, c'est que ça m'enlève. C'est certain que de l'ostéoarthrose, il n'y a pas de choses miracles pour ça, par exemple. C'est pas que ça va me le guérir, mais j'ai pas de douleur. Moi, c'est la façon que moi je pense, parce que c'est ça que ça m'a fait. Puis quand j'en ai parlé, ils ont dit définitivement, parce que l'arthrose, c'est de l'usure des os, et puis les déformations, puis ainsi de suite. Mais au point de vue, j'ai pas de douleur. Si j'en prenais pas, par exemple, du CBD, j'aurais beaucoup de difficultés. Parce que ça m'était arrivé d'aller passer 3-4 jours avec mon garçon, je l'avais oublié. J'ai dit, oh! Puis c'est sûr que c'est pas tout de suite instantané, parce qu'il t'en reste toujours dans ton système quand même, mais il reste que je me suis dit, oh, mon Dieu Seigneur, je l'ai oublié. Mais j'avais hâte d'arriver à la maison, mais ça a bien été quand même, là, tu sais, je veux dire, c'était plus raide un peu, les mouvements, mais non, moi, je suis très satisfaite, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Vous savez quoi à dire à quelqu'un qui est encore... Je pense que ce que je dirais à quelqu'un qui veut y aller, puis qui ne connaissent pas, même s'ils ne connaissent pas personne, d'aller chercher des renseignements, de discuter. Parce que maintenant, surtout, ce que c'est qu'il y a Medicine Box, la différence qu'il y a maintenant, ils ont plus d'experts, il y a des gens qui sont là, puis que ça va aller de mieux en mieux. Quand ça a commencé, il n'y avait pas tant de gens que ça qui étaient là. Oui, ils connaissaient ça, mais là c'est grand maintenant, puis on apprend beaucoup de choses. Puis ça change toujours dans la vie. Il y a beaucoup de choses que là, c'est mieux. Fait que là, maintenant, ce que j'ai à dire, puis ce que j'ai appris de là, c'est ça qui m'a fait aller vers ça, parce que le bienfait, puis toute la manière, surtout que c'est bien expliqué, fait que j'ai plus de problème. Puis mon garçon, il est bon pour ça, par exemple, tu sais. Il va arriver à me dire telle affaire, tu sais. Mais je vais être honnête, j'étais toujours sceptique, mais maintenant, plus maintenant, parce que il connaît son affaire, puis eux autres aussi, ils ont des gens... qui sont là pour être pour les personnes qui arrivent là puis demander des questions. Fait que
ce point de vue-là. Moi, je suis satisfaite maintenant, là, tu sais. Je pense qu'il faut demander. Probablement que quelqu'un va juste acheter puis dire, wow, le gars, il a... T'sais. Mais si on creuse plus loin puis on essaye de savoir le pourquoi, le bienfait, qu'est-ce que ça fait. Puis c'est sûr qu'il m'a apporté un livre que eux autres, ils vendent là-bas. Bien, ça va aider les gens à comprendre pour telle affaire. Ça, c'est bon pour ça, ça, c'est bon pour ça. Je l'ai emporté à mon médecin, puis mon frère, lui, c'est tout en anglais. Lui-ci, il l'a lu, puis il dit, ah, tu sais, il y a ça. Fait que, tu sais, c'est pas juste comme moi, c'est de l'ostéoarthrose. Il y en a d'autres, c'est d'autres maladies qui ont, qui vont aider beaucoup, tu sais. Moi, jusqu'à date, en tout cas, je trouve que ça va de mieux en mieux au point de vue, même, ça grandit, où ce qu'ils travaillent, puis beaucoup de recherches qui se font. C'est pas comme si tu vas rentrer juste à d'autres places, et puis il n'y a pas rien, là. T'achètes, puis t'essayes, puis t'es pas sûr. Mais je trouve qu'on est bien renseigné, tu sais, là, sur ça. Fait que, non, je suis satisfaite, là, il n'y a pas... Mon nom, c'est JC, le Skunk Boy, en espérant que vous ayez apprécié. À la prochaine.